polo, c'est un classique de chez classique du vestiaire masculin. Un peu l'équivalent de ce qu'est Booba pour le rap game français. B2O Polo. Avant d'être porté par les joueurs de tennis, les rappeurs et les gens qui partent au Cap Ferret le week-end, le polo a connu bien des traversées. Oui, comme Marco. Marco qui ? Marco Polo. Chez Asphalt, on a eu envie de le revisiter avec cette nouvelle version. Parce que polo tant niaisé. D'abord, on s'est attaqué au col qui ne tient pas. On est donc parti sur un grammage de 250 grammes en mètre carré. C'est lourd et ça va aider à ce qu'il tienne bien une fois porté. Pour le corps, la coupe est ajustée et on a choisi la même densité que le col. Résultat, un polo bien coupé et qui tombe parfaitement. La maille est piquée. C'est un tricot qui alterne entre une maille tendue et une maille lâche. Cette différence de tension donne un tricot aéré et vous permet de respirer. C'est important de respirer. Pour les tests, pas le choix. On y allait fort. 4 sur 5 au test de boulochage, 5 sur 5 au test d'ébouriffage et 4 sur 5 au test de résistance teinture. Une belle mention, très bien. En tout cas, ce polo, on espère qu'il va vous plaire. Parce que oui, il est beau, notre polo. Et s'il vous intéresse, c'est sur asphalt.com que ça se passe.